allez bien? Nouvelle vidéo en compagnie de Yacine. Salam, j'espère aussi que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo incroyable. On va se lancer un méga défi entre Myriam, moi et Younes. Celui ou celle qui dort en dernier remporte le cadeau de son choix. Ça va être une dinguerie. Si tu gagnes, tu voudrais quoi par exemple? Un iPhone. Mais c'est dommage parce que tu vas pas gagner. Allez, c'est parti. Il est 9h25 du matin. On est arrivé au stade avec Nono. J'avais une question à poser à Nono. C'est quoi ta technique pour pas dormir le soir? Je joue à la Play. Hein. La PlayStation. Et genre, quand tu joues à la Play, tu restes réveillé tout le temps. Ouais. Y a pas des moments où t'es comme ça? Non, même pas, parce que quand je suis comme ça, je regarde une vidéo. Ok, bah faudra jouer à la Play quand on sera fatigué. Ouais. En tout cas, les gars, pour bien commencer la journée, on est venu au stade à 9h, il n'y a personne. C'est une bonne stratégie de s'être levé aussitôt, que après, d'ailleurs, on va être KO tôt aussi. Regardez, le coach, il arrive, il est fatigué, miskin. Yacine, il a fait venir à 9h du matin. Il y avait rendez-vous à 9h30, il est 9h38. Ouais. Coach, c'est toi le coach, t'as le rôle de les torturer. Caméra est long. Oh, voilà. Tu l'as cramé, il t'enlève à 8h du matin. Ah ouais, mon cramé, vas-y, tranquille, j'ai trop préparé votre séance. Celui qui met le plus beau but, il gagne, commence. J'ai parlé, je commence. Ilan, viens faire, viens. Non, non, il est blessé, il est blessé. Il est blessé, il est blessé. Oh, yes. Hey, Yami, ton point faible, c'est là-bas, on t'a grillé. Oh bah rentre. Hey, mais t'as même pas mis de force, wesh. Mais de la force. Okay. Allez, tiens. Allez, tiens. Pour l'instant, il a le plus beau but de la vidéo, pour l'instant. Oh. Oh, des touches, des touches, des touches. Tu l'as. Oh, le goal, les gars. Le pire goal de France, c'est Yami. Même dans la voiture, il fait beau, il fait chaud. C'est le moment pour... Non, ouais. On va faire la meilleure activité qui est... Dormir. Mais non, toi, manger. Vous allez dire, je suis un mec chiant, mais Myriam, si on réfléchit bien, il faut prendre des trucs jet. Parce que si on mange des trucs sucrés salés, ça donne grave envie de dormir. Pas du tout, quand tu prends des trucs sucrés, t'as envie de courir partout. T'as mis un jeton Leclerc dans un chariot au champ. Ça passe pas, on s'est fait arnaquer. Carré. Regardez, Yacine, toujours en train de... Yacine, toujours avec son téléphone. Toi, tu risques pas de dormir, toi. Non, moi, je suis... Oh, il y a une motocross. Non, je rigole. Et bah, la nuit, pour rester ouvert, et bah, en fait, tu fais ça. Tu mets des cure-dents comme ça. Le chariot. Tu mets des cure-dents comme ça et après, t'essayes de s'ouvrir. Regarde. Ok, va le chercher. Et toi, t'as rien écouté ce que j'ai dit dans la voiture. Regardez, elle sort un Big Mama. Mais Myriam, hey, tu manges ça, je te promets. Écoute-moi. Tu vas dormir pendant 4 heures. Demande à Yacine. Ça, non, ça, c'est un parpaing dans l'estomac. Parce que du sucre, en vrai, ça se digère vite. Oui, mais là, il y en a trop du sucre. Au moins, prends ça, regarde, prends ça. Si tu veux prendre du sucre, tu prends un truc carré comme ça, là. Un petit truc comme ça, en vrai. Mais tu m'as sorti quoi? Un petit truc carré comme ça, en vrai. Mais toi, c'est marrant, tu connais ta des... Toi, hein. Bah, tu prends quoi alors? On dirait du vomi, mais. Des macarons. Des macarons, ouais, on est punis, ouais. Des macarons. Va prendre ton quinoa, va. Ok, d'accord. Va prendre ton quinoa. Voilà, là. Voilà. Okay. Pizza végétarienne, regardez. Là, il y a des pizzas au thon. Il y a des croques ici. Il y a des croques monsieur. Fais voir le croque monsieur, comment il est. Est-ce qu'il y a de la viande? Fais voir, on va lire. Saumon. Oh, c'est au saumon. Est-ce qu'on peut faire un tour après on revient ici pour voir? On fait pas de tour. Soit tu prends, soit tu prends pas. Tu crois qu'on a la brocante. On a pas de porc dedans. C'est du saumon, poisson. La meilleure boisson qui te fait pas endormir, c'est les Red Bull. Par contre, Myriam, pourquoi vous faites ça? J'ai envie, j'ai m'énerve contre vous, regardez. Qui a mis des chocobons ici? Qui? C'est toi qui a fait ça, c'est toi. La seule boisson que les gens prennent pour pas dormir, c'est le Red Bull. Slimane, tu pars sur celle-là? On n'a jamais goûté. Vas-y, go goûter. Saveur, hein. Citron vert. Moi, je suis chaud, vas-y, viens, on goûte. On dit, on ramène 2-3 trucs, il abuse. C'est pas notre chariot. Faut vous m'expliquer un truc. Pourquoi les canettes sont classées E et les bouteilles, c'est la même chose, c'est classé B? Ok, je t'explique. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a marqué 0, il y a marqué 0. Il y a marqué 0. Et là, il y a marqué classique. Non, zéro aussi. Non, classique. Non, Monster. C'est qu'un jour, j'ai pris ça et c'était du porc. Ah oui, je me rappelle quand t'étais petit, la honte. Mais tu savais pas, t'as pas fait exprès. Il mange. Et on voit, il y a marqué quoi ici? Attends, ils sont où? Est-ce qu'on peut les retrouver, les mecs? Moi, Yacine, il a 9 ans, il mange. Après, avec mon pote, on dit, mais Yacine, tu es en train de manger du bacon, là. Alors, il a fait. Je lui ai dit de pas prendre des trucs sucrés, les frères. Mais Myriam, il y a trop, repose. Il y a assez là. C'est un 24 heures ou un mois? Je comprends pas, repose. Je sais pas comment je vais rester pour en manger. Wallah, j'en mange pas. Voilà, c'est bon. Et tu le sais, mais après, je fais d'autres fois, je dis ça. On était venu pour deux trucs à la base, sinon on s'est retrouvé tout ça. Ouais, mais on est une famille, les gars. C'est faut vous régaler toute la famille, c'est normal. Ciseaux. Les deux mains, il m'a battu les deux mains. Quoi à dire pour ta défense? Vu que je paye, on repose ça. Non, par contre, on repose rien. Ça bah, se si, c'est moi qui paye. Mais ça se fait pas. Là, après, on va économiser au moins les chips, mais il y a rien. Mais rien, protection de balles. T'as payé combien alors? 200 euros, frère. 200 euros? Arrête de mytho, t'as payé 188. C'est pareil. Le monde est méchant. Ah ah. T'as quoi dans les mains? Rien. Ah la pétain, une boîte de sushi, Adib. Ah, c'est pour ça que t'as payé. Là, mais tu rigoles là. Tu manges dans la voiture en plus. Mange dans la voiture en plus. Mais Myriam, t'as acheté des croques monsieur et tout et tu manges des sushis. Grosse tête de sashimi, va. Mais ça, c'est que pour la route. Merci, Yacine.
De rien, Myriam. Eh, les frères et les sœurs, vous faites quoi? On travaille, frérot, on travaille. Tiens, j'ai acheté un nouveau casque. Mais tu rigoles, là. Mais arrête de faire n'importe quoi, frère. Comment ça, n'importe quoi? Nous, on est là en train de travailler comme des chiens. Et toi, tu fais n'importe quoi, t'achètes n'importe quoi. Mais on avait besoin d'un nouveau. Regarde comment il est ergonomique, il est vas-y. Bon. Regardez le casque, comment il est. Regardez comment il est mort. Fais n'importe quoi avec ton argent. Elle a mis une quoi, c'est rigole. Pas mieux, toi, ça. Regardez sur le bureau, là. Tu mets une tâche, hein. Tu mets une tâche ici, toujours moi, l'électricité qui me fait exploiter. Quoi? Toi, tu travailles comme un dégustation. Enfin, on se rafraîchit un peu le moral, on va goûter le croque-monsieur. Un croque-monsieur au saumon, ça existe même pas. Ça se trouve, c'est bon, on dit, mais là, il goûte. Ça existe même pas, ça, normalement. Oh lolo lolo. En fait, le saumon, c'est pas bon. En fait, ça se réchauffe pas du saumon de base. Là, un saumon, c'est froid. Redis encore une fois que le saumon, il est pas bon. Là, j'ai payé 200 euros, t'as intérêt de le manger. Mange-le. Tu avais mangé le papier avec. Pendant qu'ils sont en train de s'embrouiller, moi je vais aller me couper les cheveux. Eh, mais je vais dire en quoi faire, ils me coupent un tout petit peu parce que j'ai envie de laisser les cheveux longs, genre bien longs comme j'avais quand j'étais petit, pas comme Yacine, mais un peu plus long, t'as capté. Mais là faut qu'il me fasse les coins là parce que là ça va plus. Et on va voir s'il va me faire une bonne coupe les cheveux. Mais normalement il est chaud, vous allez voir. 1 hour later. Après. Cette vidéo c'est n'importe quoi, elle fait que de bouffer. Eh, hey, t'as rien remarqué sur moi? T'es coupé les cheveux? Carré, tu mets combien sur 10 à la coupe? Quelle grâce! Je vais goûter ça après. Vous êtes des malades. Lâche ta moto, Je vais t'écraser. Vous êtes des malades. Qu'est-ce que vous faites? On est la nuit, là, il caille. Mais vu qu'on n'a pas le droit de dormir, bah on reste dehors, on essaie de se réveiller, mec. Mais vous allez pas dormir ici, quand même. Regarde, mes pantoufles, elles sont trop petites. Oh, le malade. Ça pour un cadeau. Là, ça va partir sur un VS, hein. Oh non, mais il a déjà fait du... Oh. Et c'est un arrachage. Je répète, c'est un arrachage. On a déjà joué au foot ce matin, wesh, c'est trop. C'est football matin, midi, soir, comme on dit. En tout cas, les amis, là, comme il fait froid et qu'il fait nuit, si on reste dehors, c'est impossible qu'on dort tellement il fait froid. J'ai une activité à vous proposer. Regardez là, elle regarde. C'est quoi sa moto? Elle veut que bombarder. On a deux essais chacun niveau basket. Celui qui met 2 sur 2, il a le droit de dormir 20 minutes. Oh, dinguerie. Oh, désolé, j'ai cassé. Je vais tuer. Ok, vous êtes prêts? Et comment essaie? Le jeune joueur, la fille. 1, 2, t'en as 1. Non, je rigole, t'en as 2. Ok. Yo! Yeah! Salut, ça va aller, comment je vais naresse? 10 minutes. Laisse-moi tranquille, toi. Je dors pas. Toi, tu veux absolument gagner le cadeau. Oh lolo. Pauvre, le matin, 7h du matin avant d'aller à l'école. Oh my god, elle est glacée. Dors pas! Les gars, on va réveiller Yacine avec une alarme incendie. Les 10 minutes sont passées, hein. Les 10 minutes sont passées là. Vas-y, dépêche-toi, il est en train de gratter du temps là. Yacine! Ça y est, ça y est, 10 minutes, ça y est, 10 minutes, ça y est. Je te dirais, j'ai dormi 10 minutes, frère! Ça y est, 10 minutes! Enlève la sonnerie. 8h du matin, français mat. Allez, lève-toi! Ah ouais, les gars, ils veulent pas dormir, hein. Regardez, ils ont mis un film Charlene Soccer, c'est une dinguerie, film Netflix. Vous vous sentez comment là pour l'instant là? Parce que là, il fait bien nuit, hein. Ouais, à chaque fois que je fais des nuits blanches, je me sens pas bien, je suis KO, mes yeux se ferment tout seul, je suis éteint. Moi, j'ai déjà fait 3 nuits blanches dans ma vie. Pourquoi tu mens? Déjà une fois pendant les vacances, et aussi quand on devait aller à Astérix, je suis tellement impatiente que j'ai fait une nuit blanche. Mais donc là, pour toi, tu as gagné le cadeau? Bah, bien sûr que oui. Il y a une nuit, je suis en train de dormir. Il est éliminé. Je dors pas. Je dors pas, je médite. Il est vidé. Pourquoi tu m'as trouvé? Comment t'as fait pour me trouver là? Officiellement, il est vidé de la vidéo. Dégage. En plus, je croyais des araignées. J'ai une question. Si maman m'appelle pour dormir, je fais comment? Bah, tu dors et t'as pas de cadeau, désolé. Non, je dors pas. Tu sais, il est en train de dormir. Je dors pas, Myriam. Et je commence à avoir mal à la tête. J'ai les paupières qui se ferment toutes seules. Ok, t'as perdu. Tu vas annuler. Moi, j'abandonne. C'est bon, laisse-moi dormir. Ok, il a abandonné. Il est minuit 11. Younes, il est en train de dormir, on est d'accord? Ouais. Ok, donc Younes il est éliminé. Moi les gars, il s'agit entre moi et Myriam, je suis en train de faire un cocktail. Donc qu'est-ce qu'on met dans le cocktail, je vous montre. Oh, j'ai mis trop de miel là. On va voir vers 3-4 heures du matin, j'aimerais être. Mon ingrédient secret, c'est ça les gars. Ça, c'est mon ingrédient secret, je vous dis pas c'est quoi. Ça, quand tu mets ça dans une recette, c'est une tuerie. Voilà. On va mettre un petit peu. Oh. Regarde tellement j'ai la pêche. Nous sommes le lendemain. Oh Yacine, il est KO. Qui a dormi le premier? Parce que moi j'ai dormi. C'est elle, c'est toi. Arrête de mentir, c'est toi. Calmez-vous. Je suis rentré dans ta chambre à 7h du matin, t'es en train de dormir. Myriam, faut se réveiller. Non. Je t'ai filmé. Mais Younes, tu as fait comme ça. Il a la preuve. Arrête de. Donc pour toi, t'as pas dormi? Non, j'ai pas dormi. Yacine, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je t'explique. Toi, t'as dormi le premier. Oui. Ensuite, moi je suis descendu en bas pour me préparer à manger. Là, Myriam, elle est venue en bas avec moi. Elle est remontée dans sa chambre, elle est partie dormir. Et à ce moment-là, moi j'étais encore réveillé. Il y a même une séquence qui le prouve que je me suis filmé en train de manger. Voilà. Les gars, du coup, je suis tout seul. Myriam, elle est partie dormir, Nestlé est partie dormir, donc j'ai gagné. Hein. On va manger le. Bismillah.
ça a le goût du vomi. D'accord. Donc toi, tu n'as pas dormi. Je vais prendre une décision. Le cadeau est pour vous deux. Vous vous mettez d'accord pour choisir un cadeau pour vous deux et je vous le commande. Yes. Et moi qui faisais le cadeau, regarde, regardez comment elle a de l'énergie. Moi je suis KO, j'ai pas dormi. Tu fais un cadeau à Younes? Quoi? Bah, parce que ça se fait pas. Et tu vois, si tu serais vraiment resté réveillé toute la nuit, t'aurais pas dit on fait un cadeau à Younes. Les gars, votre cadeau il est arrivé de la vidéo. C'est arrivé ce matin, colis, ouais, tu vois. Wow. Et moi, mon cadeau il est où? Bah, je sais pas, c'est vous à la fin de la vidéo, vous avez dit vous prenez un cadeau. Moi, j'avais rien pris, moi. Bah, je sais pas, range-toi avec elle. T'es au courant? Je sais pas, range-toi avec elle. C'est quoi le cadeau que t'as pris? C'est peut-être pour toi. Wesh! Oh, le monde est méchant. Ça me va pas, ça, Myriam! Mais ça me va pas! Donc attends, j'ai pas dormi, j'ai été le dernier à pas dormir et j'ai pas de cadeau. Vous avez quel? C'est vous avez vu ça entre vous, les frères? Oh, moi ça me va! Oh la tricheuse! Et attends, j'ai un cadeau pour toi, Younes. Ah ouais, mais moi j'ai dormi en premier. Oh, il est incroyable, regarde. Pour honorer ses baskets. Et j'ai des jambes. Ton cadeau. C'est pour moi. Ouf, ton cadeau. Doucement, on sait jamais, il se trouve, il y a des AirPods. Un Twix? Merci, merci beaucoup. En plus, regarde, c'est le nouveau. Ah, mais c'est gentil ça, écoute. Bon, bah, la famille, moi je vais vous laisser là. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous. Et je vais m'entraîner pour pas dormir, les frères. Allez, ciao.